bah c'est cool. Elle était déjà réveillée. Ah, comme quoi, il y a des mannequins pros. Alors, elle est comment? Bon, super. Ça ira, Stéphane, t'inquiète pas. Hein. Mais non, je peux pas passer. Je t'ai déjà dit que j'avais ce foutu casting chez Paul cet après-midi. Écoute, Steph, je te laisse manager le coup. Après tout, c'est ta séance. Mais non, tu te débrouilleras très bien sans moi. Puis j'ai besoin d'un petit break. Ok. Je passe te voir en fin d'après-midi. Ouais, c'est ça. Ciao. Oui. Rebecca, t'es pas un peu folle? Monte. C'est pas vrai. J'y crois pas. J'y crois pas. Ça va mal se terminer, cette histoire, je le sens. Ça va très mal se terminer. Oula, ça va pas mieux, toi? Tu peins tout seul, maintenant? C'est l'andropause qui te travaille ou quoi? Quoi? Ça va. Bonjour quand même, l'ex de mon cœur. Bonjour. C'est tout? Quoi, c'est tout? J'ai pas le droit à une petite gratification? Qu'est-ce que tu racontes? Madame est contente? Qui, Clara? Mm-hmm. Ouais, ravi. Et toi? Rassuré. Je m'attendais pas à ce que ce dîner soit si... Nul de tranquillité. Boring, comme dit madame. Arrête de l'appeler madame. Et comment tu veux que je l'appelle? Rebecca, s'il te plaît. T'es venue pour quoi? Pour semer la zizanie? Pas du tout. Je voulais simplement avoir tes impressions. Sur quoi? Bah sur cette soirée. Tu l'as trouvée comment? Je te l'ai déjà dit. Surprenante. Calme. Faut dire que j'y ai mis du mien. Elle a été gentille, la fifi à son pépère. Elle a mangé proprement. Elle a rien cassé. Elle a dit bonjour et au revoir à la dame. C'est une gentille fifi. Arrête, tu veux? Non mais dis-moi, elle s'imagine qu'on est des amis d'enfance? Tu lui as dit qu'à une certaine époque, on était un petit peu plus intimes? Tu lui as dit que tu me disais ce que tu lui dis maintenant et qu'il n'y a pas si longtemps, c'est moi qui étais à sa place dans tes bras? Stop, Rebecca. Elle sait tout ça. C'est déjà assez compliqué comme ça, alors n'en rajoute pas. Ah mais non, c'est toi qui complique tout. D'ailleurs, j'aimerais que tu m'expliques une bonne fois pour toutes. Attends, c'est pourtant simple. Ah oui. Excuse-moi, mais je dois être un peu tarée, là. Mais enfin, Rebecca, mais si tu tiens... Ah mais attends, tu trouves que je me suis pas assez impliquée dans notre histoire? C'est pas ce que je voulais dire. Ah, et qu'est-ce que tu voulais dire? Tu l'aimes? Bien sûr. Dis-le. Je l'aime. Dis-le en me regardant dans les yeux. Oui, je l'aime. Oh, tu m'empêtes à la fin. Donc, je n'ai plus rien à attendre de toi. Je ne fais pas partie de ta vie. Mais si, mais... Ah, c'est bien ce que je craignais, hein. Tu deviens ringard. Il te faut la légitime et la maîtresse. C'est nul! Pas du tout, tu comprends pas. Ah, ça non. Ça trouve-toi quelqu'un d'autre, hein. Je te laisse, ciao. Rebecca! Pars pas. J'ai besoin de toi. Et pourquoi faire? Complique pas tout. Viens, on va marcher un peu. Je vais t'expliquer, ok? Allez, viens.
J'espère qu'il va y avoir quelques épices. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, quitte à me faire manger tout cru. Oh, dis pas de bêtises. Au fait, je te remercie pour le dîner. J'ai passé une excellente soirée. Oh, c'est gentil. Mais tout le plaisir était pour moi. J'apprécie vraiment ta compagnie. Je crois que nous sommes faites pour nous entendre. Ah, ma petite Laura. Toujours aussi professionnelle. Toujours aussi ponctuelle. Comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne les retards, je suis le seul à être entré au Guinness. D'après certains. C'est ce qui vous caractérise. Personne ne peut vous égaler. Dans tous les domaines, vous êtes au top. J'adore votre sens de l'humour. N'est-ce pas, Clara, que nous l'apprécions vraiment? Oui, oui. Je suppose que vous ne m'avez pas fait venir pour qu'on se raconte nos meilleures blagues. Mais non, ma petite Laura. Alors, vous avez réfléchi à ma proposition? Rien n'a changé depuis hier soir. Je vous ai dit que je partirais faire ce shooting à Deauville. C'est tout à votre honneur de respecter vos engagements. Mais je voudrais avoir votre sentiment sur les affaires qui nous lient. Monsieur de Marchelière, en fonction des contrats que vous me proposerez, je prendrai ma décision dès lundi. Je vous l'avais dit, Clara. Ça n'est pas une facile. C'est une pro. Et j'aime ça. Nous le savions. C'est pour ça que nous l'avons choisi. Le projet dont je vous avais parlé prend une tournure, enfin, je veux dire, de l'ampleur, Écoutez, le mieux, c'est que vous en parliez avec Clara. C'est elle qui doit prendre en charge la réalisation de tout ça. Bravo, ce n'est plus de l'ascension, c'est de la lévitation. Tu sais, je remercie monsieur de Marchelière de me faire confiance. Bon, le mieux, c'est que vous preniez rendez-vous et que vous discutiez de ça toutes les deux. Excusez-moi, mais j'ai un rendez-vous à l'extérieur. Alors, je vous laisse. Je compte sur vous, Laura. On se dit lundi, première heure. C'est un pari? Non. De l'impatience. 9 heures. Ça vous va? Je serai là. Toi, Solomon. Bah, j'en sais rien. Plutôt beau mec. Enfin, il est plutôt collant aussi, hein. Bah, note bien, on le connaît à peine. C'est pas parce qu'il trouve Elisa à son goût qu'il faut tout de suite le charger. Oui, mais alors là, tu vois, c'est pas du tout le genre que j'imagine pour elle. Ah, et quel genre de mec t'imagines pour elle? Bah, je sais pas. Le genre un peu... Enfin, tu vois, quoi. Un mec. Enfin, tu veux dire un mec pas du tout comme lui, quoi. C'est ça, t'as tout compris. Me voilà. Bah alors, qu'est-ce qu'il te voulait? Me voir. Bon, bah il t'a vu, hein. Oui, mais enfin, il voulait me voir un peu plus longtemps. Bah pour une fois. Heureusement qu'on avait cours. Enfin, Aline, j'ai le droit de parler à qui je veux quand je veux. Oui, oui, bien sûr. Et pourquoi il voulait te voir? Pour me parler. D'accord, mais pour te parler de quoi? Enfin, Marie-Charlotte, tu le fais exprès ou quoi? Non, mais je sais pas, mais tu vas quand même pas lui parler. Alors ça m'étonne de toi, Marie-Charlotte. Je vais quand même pas repousser tous les mecs qui m'adressent la parole. Ouais, mais celui-là... Quoi, celui-là? Celui-là, je le sens pas. Et pourquoi, s'il te plaît? Ça me regarde pas. Mais le mec qui laisse tomber sa fiancée pour la première venue, bah je le sens pas, c'est tout. Un, je ne suis pas la première venue, du moins j'espère. Et deux, il n'a rien laissé tomber, d'accord? Il a peut-être juste envie qu'on devienne amis. Et puis, il est pas mal. J'ai aucune raison de le détester, sans raison. C'est ça, c'est ça. Ça m'a l'air d'être un joli petit agneau. Il n'y avait qu'à regarder la tête de Catherine pour comprendre qu'il voulait vraiment devenir ton meilleur ami. Catherine? Oui, Catherine. Ça te dit quelque chose? Non, mais parce qu'elle existe, tu sais. Excuse-moi, il faut que je règle un petit problème. Oui, je t'en prie. À plus tard. Laura. Oui? Tu es sur bouquet cet après-midi? Sur bouquet? Non, j'ai 2-3 trucs à régler pour ce week-end, c'est tout. Tu peux te libérer une heure ou deux? Sans problème, mais c'est pourquoi? En admettant que tu acceptes la proposition de Marchelière, je crois qu'il serait bon que tu sois avec nous aujourd'hui. Un goûter en perspective? Non. Je passe pas tout mon temps à organiser des dîners et des lunchs, je travaille aussi. T'inquiète pas, je m'en rends compte. Sérieusement, tu sais, cet après-midi, il y a le casting organisé chez Paul. Nous avons besoin de ton avis.
Après tout, c'est toi qui vas être responsable de l'image du journal, non? Trop d'honneur. Tu n'as pas peur que ce soit prématuré? Ma présence soit un peu... Nécessaire. Ta présence est nécessaire, Laura. Dans ce cas, Laurent sera là? Bien sûr. Et il est au courant des projets qui me concernent? Pas encore. Et tu ne crains pas qu'il le prenne mal? Que Laurent prenne mal le fait que sa complice depuis tant d'années travaille en étroite collaboration avec moi, lui et le journal? Non, je crois qu'il serait ravi, rassuré. Dans ce cas, c'est à quelle heure? En début d'après-midi. Je peux te joindre sur ton portable? Tu peux. Alors, à tout à l'heure. À tout. Ça s'est bien passé? Mmh, bien que prévu. Dis-moi, il faut que tu signes tes contrats. Mais non, je plaisante, tu verras. Mais dis-moi, t'avais pas cours, toi, ce matin? M'en parle pas, je me suis fait virer du cours de maths. Ah bah bravo. Et pourquoi on a foutu la porte, mon héros? Incompatibilité d'humeur entre le prof de maths et moi. Qu'est-ce que tu veux, ce mec a pas d'humour? Maman, c'est pas moi qui vais me plaindre, hein. Enfin, si c'est pas trop grave. T'inquiète pas, va. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Et c'est pas prêt de changer, alors. Mmh. Mais alors, on a du temps pour nous tout seuls. Oh, okay, long, darling. Super, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une envie. Ah ouais. Mais si avant, on faisait des photos de toi? C'est vrai? Des photos de moi, toi? Ben, tu veux plus? Tu plaisantes? Je t'aide bien. Allez, viens, je suis le verre. Ça va être très bien. J'en suis sûre, je suis tout à fait confiance en ton talent. C'est gentil, mais tu me connais même pas. J'ai le droit qu'à te connaître. Écoute, tu peux te habiller, là, j'ai tout ce que je voulais voir. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, ce soir... On pourrait aller dîner, parler de la science. Oui, non? Non, mais là, je vais pas pouvoir. Pourquoi? Ah ben, d'accord. Mais enfin, ma puce. Non, non, y a pas de ma puce qui tienne. Tu peux peut-être me faire croire que tu faisais de la couture avec cette... Mais regarde-toi, hein, regarde-là. Ah, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein. Me touche pas, tu me dégoûtes, t'es qu'un tordu. Tiens, je te laisse avec ta blondasse. Mademoiselle... Toi, tu la fermes. Si tu veux pas finir par être un cobaye pour la chirurgie esthétique. Et cache ta cellulite. Tu vas prendre froid. Hein? Enfin, écoute... M'adresse plus la parole. Salut. Je suis vraiment désolée. Je peux faire quelque chose?
Non, là, je crois. Rien à faire, tu vois. Une fois que je suis là par hasard, je fais bien les choses. Cathy. Cathy. Oh, bonjour. Tu vas bien? Oui, enfin, mieux, maintenant. Et toi? Moi, tu sais. Eh ben, il y a quelque chose qui cloche? Bah, c'est pas grave. Tu sais, tu peux me parler, je suis ton ami, hein. Et les amis, ça sert à ça? Bah, je vais pas très bien. Pourquoi? J'ai l'impression que les bonnes me plaquent. Lentement, mais sûrement. Ah bon? Enfin, je veux dire... Ah? Ouais. En plus, il les fait lâchement. Il me dit rien, comme si c'était naturel. Je comprends pas. Tu sais, il y a peut-être rien à comprendre. Oh, je suis bête. J'aurais dû m'en douter. Puis de toute façon, tous les garçons sont des lâches. Ah non, pas tous. Tu en connais, toi, des courageux? Capable de t'expliquer pourquoi ils te laissent tomber du jour au lendemain? Oui, moi? Alors tu dois être l'exception. J'en sais rien. Tu veux qu'on aille boire un verre et parler de tout ça? Allez, si tu veux, ça va me changer les idées. Tu vas pouvoir vivre comme ça, hein? J'en sais rien. Mais écoute, Laurent, il s'agit de la vie de plusieurs personnes, hein? Il n'y a pas que toi qui a le droit d'exister et d'être aimé. Je commence vraiment à la comprendre et à la plaindre, sa pauvre Clara, hein? Oh, arrête, ne parle pas de Clara, pas maintenant. Tu sais, ça fait un moment que j'essaye de faire le net dans ma tête. Ben, change d'objectif, parce que plus flou, c'est Schwartz. Tu parles. J'aimerais bien te voir à ma place. Non, mais tu manques pas d'air. Tu t'y es mis, toi, à la place de Clara ou à la mienne? Je sais. Ben, tu me diras, ce qui me concerne, t'es plutôt du genre clair, hein. Mais tu racontes exactement la même chose à Clara? Elle est au courant de tes sentiments? Non. Pas encore. J'y arrive pas, j'ai pas le courage. Ah, le courage. Nous y voilà. Rebecca, je t'en prie, m'accable pas. Laurent, Laurent, Laurent. Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? J'en peux plus, j'arrive pas à récupérer. Tu parles de ta fatigue ou de tes esprits? Les deux.
Si tu veux savoir, j'aurais jamais dû accepter de retravailler avec toi. Bah merci. De toute façon, mon humour, c'est la même chose. Simple, il te les faut toutes. Tu vois, ça doit venir de ton enfance. Je sais pas, problème de manque, ou de peur de manquer de quelque chose, ou de peur d'être abandonné. Donc, tu abandonnes le premier. Oh, je t'en prie, arrête avec ta psychologie de supermarché. Allez, viens. On va marcher un peu. Juste un petit break comme ça, sans rien dire. Oui. Oui. Qu'est-ce que t'es belle. Ah, oh, je suis vert. Yeah. Arrête, Greg, ça me gêne. Quoi? Qu'est-ce qui te gêne? Tout. Ici, toi, ce que tu dis. Mais non, attends, continue un tout petit peu. Oui. Oh là là. Ah. Bon, ça y est, t'as tout ce que tu veux, là. T'es folle, hein. Petite dernière, d'accord? Oui, ça, c'est beau, ça. J'aime pas faire ça. J'ai l'air d'une potiche. Je me demande comment font toutes ces filles pour en faire leur métier. Mais elles font exactement ce que tu fais en ce moment. Non, c'est pas vrai. Oh là là! Oh, je suis vert! Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien, bouge surtout pas. Oh, en grec, je comprends rien, là. Chut, je t'expliquerai. Ah, tu prends les amoureux là-bas? Ouais, si tu savais qui sont ces deux-là. Oh, oh, oh. Merci, je crois que tu me prenais en photo, merci. Hein? Mais oui, mon cœur, bien sûr. Oh, je suis vert. Tu sais que je t'aime, toi. On est vraiment fait l'un pour l'autre. Je t'adore. Ça va? Tu te sens bien? Oui. Oh, je suis vert. T'es complètement branque, hein? Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Merci. À plus tard. Laura? Bonjour Lily. Bonjour, je suis ravie de te voir. Dis-moi, tout va de plus en plus vite dans ce journal. Les informations passent de moins en moins bien. Tu as fait un boulot formidable. Je suppose que c'était la raison de ton rendez-vous avec Demarchelière. Merci, non, Demarchelière voulait me voir pour autre chose. Mais dis-moi, vous parlez, Clara et toi? Oui, bien sûr. Pourquoi tu dis ça? Nous travaillons en étroite collaboration. Étroite, en effet. Dis-moi, j'aimerais qu'on passe un peu de temps ensemble. Tu fais quoi pour déjeuner? Rien de spécial. Est-ce qu'on va enfin pouvoir se voir en tête à tête? Je t'invite. D'accord. Ah, t'es encore là, toi? Oui. Super, on va à l'agence maintenant. Maintenant. Je viens d'avoir Paul, il nous attend. Ah, Lily, on va chez Paul immédiatement. Comment ça, immédiatement? Pour des raisons pratiques, il a dû avancer l'heure du rendez-vous. Mais comment se fait-il que je sois toujours la dernière au courant de tout ici? Je sais pas, il vient de me prévenir. Bon, eh bien on va remettre notre déjeuner. C'est raté. Dommage, j'avais vraiment faim. On va voir, quelques kilos en moins. T'inquiète pas, tu n'as rien en trop. Tu sais, de temps en temps. Bon, les filles, on y va? J'appelle Laurent. Bon, eh bien c'est raté. Oui, j'avais vraiment un petit creux. Dis-moi, c'est moi ou le coude que tu prends en photo, là? Les deux, je suis vert. T'es vraiment gonflé, hein? Tu photographies n'importe qui sous prétexte de me faire des portraits. Mais écoute, c'est le hasard. Ben, je sais pas, mais... Comme quoi, la vie, hein? Quoi, la vie? Tu dis que tu tiens à moi et tu photographies tout le monde. Écoute, je vais t'expliquer. Ben, vas-y, je t'écoute. Oui, mais non, en fait, ça te regarde pas. Un quoi? C'est une ex à toi? Ah, pas du tout. Alors là, je t'assure, ça n'a rien à voir. Bah alors explique-moi. Ouais, mais je peux pas... Écoute, je pouvais pas rater ça, c'est tout, mais aie confiance. Ça m'amuse plus, là, ton petit jeu, hein. C'est trop pervers.
Écoute, Stéphanie, arrête un petit peu de faire l'idiote. Je te dis que ça n'a rien à voir avec nous. Crois-moi. Bon, je pouvais pas rater une occasion pareille. C'est tout. Ah oui. Et t'en as beaucoup des secrets comme ça? Mais c'est pas un secret, ça te concerne pas, voilà. Ah oui. Je croyais que tout ce qui te concernait me concernait aussi. Oui, mais... Tu me l'as dit. Oui, mais je suis vert, oh. Arrête, change de couleur, tu m'énerves. Ok, d'accord, bon. Mais là, je peux rien te dire, c'est du business. Mon pauvre Greg, ça va pas mieux, hein? Tu te prends pour un agent secret? Ton appareil va se détruire dans la minute ou quoi? Tu regardes trop la télé, hein, cinglé. Fais-moi confiance, en plus on les a, tes photos. Te faire confiance? Non mais tu plaisantes, j'espère. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui, soi-disant, veut tout partager et garde tous ses secrets pour lui? Business, business, hein. Ah ben fais-le, ton business, mais sans moi. Arrête, mais, Stéphanie, arrête. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis la première gourde à être impressionnée par toi et ton foutu appareil? Stéphanie... Quoi, Stéphanie? Mais regarde-toi, c'est pitoyable. Et c'est qui, ces gens que tu photographies derrière mon dos? Hein, qui? Mais rien... C'est mon boss. J'ai fait une photo souvenir de ton boss et de sa fiancée. Bravo, bel exploit. C'est pas sa fiancée. Ah, mais de mieux en mieux. Tu veux le faire chanter? Bon esprit. Mais non, c'est pas ça. Bon, ça a juste été un réflexe. Un réflexe? Ascendant charognard, à ce que je vois. Écoute, Stéphanie, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Tu me dégoûtes. Je préfère m'en aller, hein. Je veux pas être complice. Bah c'est ça, casse-toi. Je suis vert. Non mais quelle prise de tête. Écoute, Rebecca, laisse faire le temps, ok? J'ai besoin de réfléchir. Je te demande rien, Léon. Vraiment, j'ai pas du tout envie de supporter la mauvaise humeur de Clara. N'exagère pas. Non, écoute, tu vois très bien que je travaille avec Clara et que j'ai de plus en plus à faire avec elle. Alors d'ici à ce que je n'ai plus une seule photo de moi dans l'lipstick... Alors là, je crois que tu délires complètement. Hein. Ouais. Ah, allô? Ah, c'est toi, chérie? Maintenant? Bah, écoute, je croyais que c'était à 14h. Non, non. Enfin, si, j'avais l'intention de déjeuner. Non, avec un client. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Ok, j'arrive. Ciao. Alors, si j'ai bien compris, on ne déjeune pas ensemble, hein? Le client te remercie. Comprends-moi, je veux pas faire d'incident diplomatique. Il faut que je fasse le casting chez Paul. Ah, tu vas chez Paul? Oui. Génial. T'avais tellement longtemps que je l'ai pas vu. Ben, je vais t'accompagner. Très drôle. Mais qu'est-ce que tu cherches? Oh, mais t'inquiète pas. Je vais te laisser jouer avec tes jouets. Allez. Grimpe. Non, non. Peut-être qu'on n'est pas si loin de Chitino et ça fait longtemps qu'on n'a pas déjeuné ensemble. Rebecca, qu'est-ce que tu cherches? Comprends-moi, j'ai besoin de calme en ce moment. Non, je peux te téléphoner ce soir? Ça, personne ne t'en empêche. Tu seras là? Laurent, je ne sais rien. Tu veux pas monter? Non. Juste à l'heure. Laurent n'est jamais en retard. Oui, mais là, tu vois, c'est spécial. J'ai comme l'impression qu'il va venir ici à reculons. À moins qu'il arrive bras dessus, bras dessous avec Julie. Ça va te plaire, ça? Arrêtez les filles, soyons sérieuses. Essayons de garder notre calme. Et surtout, on ne prend aucune décision sans se concerter, d'accord? Tu veux dire qu'on laisse parler Laurent en premier? Tel que je le connais, il ne dira pas un mot. Pourquoi tu dis ça? Devine. Il est tellement habitué à travailler avec Julie qu'il va nous laisser prendre toutes les décisions concernant les mannequins de chez Paul. Je crois qu'on va assister au meilleur numéro du style. Bon, j'ai rien à raconter. J'ai vu ça des centaines de fois avec Laurent. Ne vous inquiétez pas les filles, je vais essayer de lui parler. Bon, on y va? Est-ce que ça va? Mais oui, tu es trop belle. Bien sûr. Hé, on est au 20e siècle. Il y a l'ascenseur.
Je sais pas ce que je suis nerveuse. Je voulais me détendre en montant à pied. N'exagère pas, on va quand même pas à l'abattoir. Oui, mais souvenez-vous qu'on a pas le droit de se planter. Ah bah c'est cool. Je sais pas ce que j'aime. Je me sens vraiment décontractée maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Aline? Oh, trois fois rien. Je viens juste de trouver mon mec avec une fille à moitié nue. Tu veux dire nue? Nue? Je veux dire nue, pas habillée. Non. Et ça s'est passé où? Au studio. Mais ils étaient comment? Je veux dire... Non, je crois que je les ai pris juste avant, ou juste après. Le pire, c'est que c'est le mannequin avec qui je dois travailler demain. Mais je m'en fiche, j'irai pas. Mais dis-moi, c'est des photos de quoi? De cosmétiques. Il faut y aller. Je crois que tu te fais des idées. Si ça se trouve, il voulait voir son corps pour la photo. Tu parles? T'as besoin de voir une fille nue, toi, pour photographier du vernis à ongles? Oui. J'ai déjà vu des photos comme ça. Salut. Oh, bah, qu'est-ce qui t'arrive à toi aussi? C'est la journée, hein? Qu'est-ce que t'as? Rien, ton copain m'a fait un plan. Mon copain? Steph. Alors c'est ça. Chaque fois qu'un mec fait un plan à une fille, c'est mon copain. Non mais je suis vert. Allez, arrêtez de vous chamailler. Enfin, et toi, c'est quoi le problème? Bah je me suis engueulé avec Stéphanie. Ah? Pour de vrai? Non, pour de faux. Juste pour voir comment ça fait. Je suis vert. Vous avez un rendez-vous? Oui, avec Paul. Vous êtes? Journal Lipstick. Ah oui, excusez-moi, je vais le chercher. Laurent, qu'est-ce que tu fais là? Bah et toi? T'es chez Paul, toi, maintenant? Eh ben oui, comme tu vois. Eh ben, le gang Lipstick au complet. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? On ne t'a pas mis au courant? Bah, non, de quoi? Je t'expliquerai plus tard. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour, je suis Clara. Vous êtes le bras droit de Marchelière? Non, 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 je suis sa collaboratrice au même titre que Lily et Laura. Pourtant, il m'a dit qu'il avait une entière confiance en vous et en Laurent. Je suis ravi de le voir à l'agence. Moi aussi, Paul. Bonjour. 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 Tu nous boudais? Non, non, pas du tout, mais en ce moment, j'ai plein de boulot et j'ai pas vraiment le temps de faire des castings. Mais tu as quand même reçu les composites de l'agence. Oui, oui, oui. J'ai mes habitudes. Julie, les habitudes. Entre autres. Nous allons changer tout ça. On va aller dans mon bureau. J'ai des filles et des garçons qui sont au top. Allez, venez. Excusez-moi. Allô? Oui, Stéphane. Mais non, il n'y a pas de problème. Je voudrais simplement que tu vas le peu là, c'est tout. Je ne veux pas me planter. Ah bon, t'es bloqué? Elle est avec moi, ouais. Je sais pas, t'es dans quelle agence? Aucune. Chez personne. Bon, d'accord, je passe. Ok. Mais non, je te dis, c'est rien du tout. Écoute, c'est juste Aline qui est venue foutre le souk. Crise de jalousie. Ok. Les histoires de filles jalouses, je connais. Non, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Ok, je t'attends, Steph. C'est ça, tiens. Excuse-moi.
Excusez-moi, hein. Alors ? Je voudrais que tu jettes un coup d'œil sur ces books que je t'ai préparés parce qu'il y a vraiment des mannequins qui vont te séduire. Me séduire ? Clara, commence pas, on est censé travailler. Et comme ça, tu es habituée aux filles jalouses ? Je vis avec toi, mon amour. Cette fille et ce garçon sont vraiment, vraiment au top. Je fais tout pour ça. Non, ils sont bien. C'est vrai qu'avec Julie, nous ne sommes pas servis en ce qui concerne les garçons. Oui, allô ? Vous lui-même ? De Marchelière, comment allez-vous ? Oui, oui, ils sont tous là. Et croyez-le ou non, même Laurent, vous voyez que tout arrive dans la vie. Hein. Oui ? Oui, oui, elle est là. Oui, oui, je vais vous la passer. Clara ? C'est pour vous. Merci. Oui, allô ? Oui. Quand ? Mais c'est à peine dans une heure. Comment voulez-vous que je fasse ? Eh bien, faites, là. Oh. Faites. Et je vous attends à l'aéroport. Ah ouais, j'ai les billets. Alors, bah, nous essaierons de rentrer ce soir ou demain matin. Bon, soyez gentils, vous me passez Lily. Et vous, vous sautez dans un taxi, d'accord ? Ah, Lily ? Ah, Lily, j'ai besoin de vous ici au journal. Oui, Clara et moi, nous partons immédiatement pour Londres. Ah bah, vous savez, les collections Brown. Oui, oui, j'emmène Tino avec nous. Alors, vous prenez la relève ici ? Ok. Parfait. Mais Laura et Laurent sont tout à fait aptes à prendre des décisions en ce qui concerne ce casting. C'est leur job, non ? Bon, alors on fait le nôtre. Je compte sur vous ? Celui-là. Oui, excusez-moi. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe ? Faut que je parte à Londres tout de suite. Encore ? Attends, tu lui as dit non, j'espère. Laurent, je n'y peux rien. Il faut que j'y sois pour un reportage, c'est mon job. Écoute, moi, j'en ai marre de tout ça. Et puis d'abord, qu'est-ce que je fous là ? Hé, hé, ton job ! Ce sont les mots du patron. Clara prend le premier avion, moi je rentre au journal, et vous, vous managez tout ici. Voilà, ça y est, on est aux ordres. Attendez, attendez, moi je prends aucune décision sans vous. De Marchelière compte sur toi. Et sur Laurent, bien sûr. Mais tu es piégée. Tu es une décideuse du journal, maintenant. Et tu vas voir que bientôt, il va te demander de travailler exclusivement pour lui. Wake up ! C'est déjà fait. Bravo. Décidément, il est très fort. Oui, mais Laurent, nous, on est tous ensemble et on est sur le terrain, non ? Mais c'est de la manipulation, Clara. Bébé, il faut que j'y aille, là. Hein. Tu m'appelleras ou je t'appelle quand j'arrive à Londres ? Ouais, c'est ça. Ne t'inquiète pas, Laura. Tu es plus habilitée que Clara et moi pour ce genre de choses. Et puis, de Marchelière a une entière confiance en toi. Au départ, je vous accompagnais. Je n'ai pas prévu de manager tout ça, moi. Mais Laurent est là. À vous deux, vous êtes le regard du journal. Bah voyons. Bébé, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bye, Laura. Sois pro. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? Désolée, Paul. Une urgence. Ah bon ? Laura et Laurent vous expliqueront. Je suis désolée. Au revoir. D'accord, ben à bientôt. Charlotte, si j'étais toi, je m'habillerais comme ça. Comme ça ? Mais tu plaisantes, hein ? Regarde-moi ! J'ai les genoux qui se touchent ! Plus je les cache, mieux je me sens. Oh, t'es vraiment ridicule. Parfois, j'ai l'impression que si tu pouvais te glisser tout entière dans un sac poubelle,
tu seras enfin heureuse. Oui, bah merci, quand même pas un sac poubelle. Mais je suis consciente. Mais consciente de quoi? De ça. Oh, écoute, Marie-Charlotte, arrête un peu. Réveille-toi. Et regarde-toi. Oui. Bah merci, je me vois tous les jours dans la glace. Tu sais pas ce que je donnerais pour avoir ton visage et ton corps. Si t'as vraiment décidé de te foutre de moi, c'est vraiment pas le jour. Non, mais c'est vrai, quoi. Moi, j'en ai assez. J'ai toujours l'impression que tout le monde est très gentil avec moi, mais que personne n'ose me dire la vérité. Pourtant, hein, moi, je les sens, les regards sur moi. Ou plutôt, l'absence de regards sur moi. Oh, écoute, Marie-Charlotte, tu me scies. Je sais plus quoi te dire. Tu es désarmante. Aline, qu'est-ce qui t'arrive? C'est grave? Mais enfin, Aline, tu t'es fait virer de ton boulot? C'est pas ça, c'est Stéphane. Oh non. Il est là en ce moment? Oui, il est sur Paris. Si tu veux le voir, je pourrais faire un rendez-vous spécial. Bonjour. Edge. Tu es français? Oui. Ok, merci. Hi, Dan. I'm nice to meet you. Where are you from? New York City. Voir. Avec tout ce que tu as vu déjà, je pense qu'on va pouvoir collaborer, non? Ouais, non, vraiment, je suis agréablement surpris, comme je te l'ai dit. Bonjour, bonjour. Je suis l'assistant de Laurent. Ah oui, on est dans le bureau de Paul, je vous accompagne. Voilà. C'est dingue, hein, ça fait plus de 15 ans qu'il travaille. N'arrête pas. Oui, c'est vraiment top, en plus de ça, il était... Top. T'es vrai, toi? Allez, sois pas si angoissé, tu vas t'en tirer. Non, ça va. Paul, je te présente Stéphane, mon assistant. Bonjour Stéphane, j'espère que l'assistant est à la hauteur du maître. Bonjour Paul, enchanté. Vous savez, je fais ce que je veux, parfois même je ressemble à une danseuse tellement je fais des pointes. Ah oui, ça c'est amusant. Mais en attendant voir le ballet, essayez-vous. Stéphane est très doux, il a énormément de talent. N'est-ce pas Laura? Évidemment, sinon avec quelqu'un comme toi, il n'aurait pas fait une semaine. Merci Laura. D'accord, vous me prenez vraiment pour un tortionnaire. Un tortionnaire, non, mais tu n'es pas easy, easy. Oui, plains-toi, hein. On peut passer au suivant ou à la suivante? Oui, oui, il y a une fille qui arrive, une américaine qui est superbe. Hi, Holly. Hello. How are you? Good. Holly, show your book. Ah, quand elle se lève, c'est bon signe. T'en penses quoi? Intéressant, non? Moi j'aime son visage et son physique. En plus, elle a le corps de la tendance actuelle. Peut-être on peut s'en servir, non? Je suis assez d'accord avec toi. Fais-moi voir ton polar. Ouais. C'est bien. Ouais. Alors, c'est vous qui décidez pour le journal, actuellement? Vous savez, rien n'est encore fait. Écoutez, je connais le Demarchelière et je sais que si vous laissez seul avec Laurent, c'est parce que vous avez les pleins pouvoirs. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on se fasse un tête-à-tête pour dîner. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais attendez au moins mon investiture. Moi, je ne suis rien, je travaille avec Laurent, c'est tout. Ça pèse déjà très lourd sur une carte de visite, croyez-moi. Merci. Thank you. Thank you. Bye-bye. On peut passer au suivant ou à la suivante? Bien sûr, bien sûr. Maxime. Oh, Maxime, tu le connais déjà, j'ai pas besoin de te le présenter. C'est un top, c'est un type qui marche absolument fabuleusement. Ah, Maxime. Ça va, Laurent?